se retrouve pour un nouvel vidéo. Alors cette fois-ci, c'est sur comment filmer son écran d'iPhone, de tablette ou voilà. Donc il y a bien sûr de techniques. Je crois qu'on branche son iPhone à son Mac et on met en haut recorder ou un truc comme ça et on pourra filmer. Mais là, c'est quand vous n'avez pas d'ordinateur et que vous voulez vraiment le faire à partir du téléphone. Donc pour commencer, vous irez dans l'Apple Store. Vous marquerez Chou TV, comme il y a marqué en haut. Et vous atterrisserez sur ça. Et vous installerez le premier truc. Donc c'est gratuit. C'est pour vous faire un compte. Pour qu'ensuite vous pourriez, quand vous ayez Chou, pouvoir filmer. Après aussi, c'est comme un peu Instagram. Mais pour les jeux vidéo. Donc vous pourrez voir les jeux vidéo des autres. Donc Minecraft ou Slither.io comme il y a dans l'exemple. Ou Minecraft encore une fois. Et vous pourrez mettre, mais vous n'êtes pas obligé, franchement. Moi, j'ai supprimé, parce que ça, c'est, on n'a pas besoin de l'avoir quand on a Chou direct. Mais franchement, vous pouvez le laisser, ça changera. Donc ensuite, vous allez aller dans Safari. Vous allez marquer Chou. Comme ça, c'est en temps. Sauf que c'est avec un S. Et vous marquez tout court Chou. Ensuite, il y aura Chou iEmulators. Vous tapez dessus. Et ensuite, vous allez descendre et là il y aura marqué Updated Chou. Vous allez cliquer au milieu plusieurs fois, peut-être parce que ça peut bugger. Et il va y avoir install en bas, donc vous aurez pas besoin de. Moi je vais pas l'installer là parce que j'ai déjà, mais sinon c'est bon. Il faut iOS 7 minimum ou plus, comme vous voulez. Donc vous l'installez. Moi, comme j'ai déjà installé, je vais pas l'installer encore une fois. Mais sinon, voilà, ça marche très bien, c'est fluide, le son est bon. Par contre, dans pas longtemps, je vais faire une vidéo sur Blitz Brigade. Donc, c'est un jeu de guerre en ligne, à peu près, c'est comme Call of Duty. Et franchement, elle est chambée cette application, je l'adore. C'est chambée, mais bon, je vais pas passer sur ça. Donc, Chou, franchement, c'est chambée. Donc, voilà, je vous conseille de l'installer. Ça marche très bien, donc il n'y a pas de virus, ne vous inquiétez pas. Et franchement, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Après, vous pourrez les mettre dans votre galerie Apple ou photo. Et vous pourrez les mettre sur YouTube directement si vous avez une chaîne YouTube. Puisque sinon, je vois pas à quoi ça sert de filmer. Et sinon, voilà. Donc, je vous laisse. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Salut !